Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Il est 18h06 sur Sensation, c'est le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, édition spéciale sur Radio Sensation donc, et à présent nous allons vous présenter un livre, Le débarquement et la bataille de Normandie, et pour commencer un petit mot sur l'auteur de ce livre, Isabelle Bournier. Elle est directrice culturelle et pédagogique au Mémorial de Caen. Cette historienne a déjà écrit plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, Franck. Oui, Isabelle Bournier a souvent écrit pour les enfants, mais Le débarquement et la bataille de Normandie, son dernier livre, est aussi à destination d'un public d'adultes, alors rassurez-vous, la lecture reste très interactive, notamment grâce aux nombreuses reproductions qui y figurent. Isabelle Bournier. Le facsimilé est très intéressant. D'abord, c'est une époque où il y a beaucoup de productions, il y a beaucoup de paquets, il y a énormément, il y a des millions de tracts, donc la propagande est très présente. Il y a aussi des tas de sortes de papiers, de journaux, puis de journaux de la Libération, et c'est intéressant de les montrer aux lecteurs dans l'état dans lequel ils étaient à l'époque. Donc oui, les facsimilés jouent un rôle... je dirais dynamisant le livre, quoi. Ça le rend plus presque interactif, quoi. On lit le facsimilé, en même temps on lit le texte, c'est intéressant. Et parmi les nombreux documents que l'on retrouve dans le livre, il y a ce fameux dictionnaire des GI, ouais, j'ai pas l'accent encore. Oui, Nicolas, avant de débarquer en France, vous imaginez bien que la très grande majorité des soldats américains ne connaissaient pas la Normandie, hein. À peine connaissaient-ils peut-être la France et le français, il fallait donc qu'ils en sachent un minimum. Et utiliser ce document était très important. Entre les livres jeunesse que je peux faire et ce livre qui est destiné aux adultes, il y a quand même un lien, c'est la dimension humaine de la guerre. Et justement, en voilà un bon exemple, c'est que tout GI qu'ils sont et tout bien entraînés qu'ils sont, eh bien, il leur faut quand même avoir quelques mots de français en poche. Et les soldats partent avec des mini-dictionnaires, des petits vocabulaires et puis des tas d'autres livrets. Et c'est assez amusant, et notamment de regarder la prononciation des mots français. Je ne suis pas du tout sûre que les Normands comprenaient ce qu'ils disaient en arrivant. Malgré tous les efforts qui étaient faits, c'était vraiment très très drôle. Et que pouvait-on apprendre, que pouvaient apprendre les soldats dans leur dictionnaire, Franck ? Eh bien, je vous propose d'écouter Isabelle Bournier. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Bon. Nicolas Kirillovitz. Alors on va le faire entre nous. Entre nous. Bon, il y avait des conseils de savoir-vivre. Hein, attention. C'est ça le direct aussi. Soyez polis avec les jeunes femmes, etc. Et puis on aura l'occasion de voir par la suite tout ce que les GIs américains, les soldats américains ont rapporté avec eux en France. Tous ces objets qui maintenant sont dans notre quotidien, que ce soit les lunettes Ray-Ban, les chewing-gums ou encore les cigarettes, que ce soit Camel ou Lucky Strike. Et je rappelle que fumer est dangereux pour la santé. Quelle culture générale avec Franck. Merci Franck, le débat. Débarquement et la bataille de Normandie d'Isabelle Bournier, c'est aux éditions Ouest France. Et à noter qu'il existe un autre livre de la même auteur, plus pour les enfants cette fois. Il s'agit de Parle-moi du débarquement. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. Il est 18h08, c'est parti pour une deuxième heure en direct de Dives-sur-Mer. Je vous rappelle que Sensation se mobilise pour le 70e anniversaire du débarquement avec deux émissions spéciales pour revenir sur l'un des faits les plus marquants de l'histoire. Ce soir, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans la deuxième partie de cette émission, nous aborderons les histoires insolites du débarquement. Franck et Dominique vous ont préparé des chroniques pleines d'infos et de découvertes. Nous allons également recevoir de nombreux invités, dont le maire de Dives-sur-Mer et des artistes qui réalisent une exposition sur le mur de l'Atlantique. Il y aura également l'agenda des commémorations pour tout connaître des événements mis en place pour ce week-end. Vous entendrez également le témoignage de Georgette Le Danois. Elle a 90 ans, elle a connu la guerre, le débarquement et la libération. Un témoignage émouvant. Vous connaissez maintenant le programme de cette deuxième heure d'émission spéciale débarquement en direct de Dives-sur-Mer, mais aussi en direct d'Internet sur radiosensation.fr. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Et on débute cette deuxième heure d'émission avec vous, Dominique. Vous avez rencontré un confrère journaliste qui s'est transformé en écrivain. Il vient de publier un ouvrage sur le D-Day.
Tout à fait, Nicolas. Les histoires insolites du débarquement, un livre coécrit avec Frédéric Veil, le plus normand des journalistes de RTL. La première question que j'ai posée à Fred, tout simplement, comment a débuté cette aventure ? Déjà, avec Frédéric, c'est ce que j'ai coutume de dire, on n'est pas des opportunistes du 6 juin. On n'attend pas le 31 mai d'un grand anniversaire pour s'en occuper. Nous, on est depuis 25 ans sur le terrain, on glane des histoires, on rencontre des témoins, des vétérans. Alors évidemment, on avait tout un paquet d'histoires en stock. Et pour rien vous cacher, donc en fait, la genèse de cette histoire est née un peu par hasard sur les bancs du palais de justice de Caen. Nous nous sommes retrouvés tous les deux avec Frédéric Veil à l'occasion du procès de la secte de Lisieux. Il m'a dit, tiens, dis donc, est-ce que ça te dirait de faire un bouquin sur les histoires insolites du débarquement ? Je lui ai dit, bah écoute, faut d'abord que je vois ce que j'ai en stock. Et puis j'ai réfléchi une petite semaine et j'ai dit banco. Moi, j'ai voyagé, j'ai rencontré quelques témoins aussi à l'étranger, notamment à Washington. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous, des vétérans, on nous rencontre depuis un quart de siècle et on avait forcément des histoires et de belles histoires. Un travail de recherche et un recueil de témoignages de l'auteur qui peut parfois même 70 ans après amener de l'émotion. Ah, tout à fait, surtout quand les anecdotes touchent les enfants, comme nous le raconte Frédéric. Moi, ce qui me touche le plus, ce sont les histoires qui touchent les enfants. J'ai une histoire qui me tient à cœur, celle de Mascotte, qui est un gamin de Falaise qui a 16 ans, qui fugue, qui suit les troupes canadiennes, qui passe par Paris. Participe à la libération de Paris, il s'engage dans le bataillon de jeunesse du colonel Fabien, lequel bataillon de jeunesse du colonel Fabien est dissous, il rejoint un régiment d'infanterie de la première armée française, et un jour le général Delatte de Tassigny décide de remettre des croix de guerre, et ce Mascotte, qui s'appelait Serge Gras, est finalement sur la liste des récipiendaires de cette croix de guerre, et en plus avec Palme, la plus haute distinction de l'armée française. Joseph Kessel faisait son premier papier pour François, et malheureusement, Mascotte n'a pas le temps d'en profiter puisqu'il va être gravement blessé et il décédera des suites de ses blessures d'un éclat d'obus dans la tête, deux jours après. Alors, on a des nouvelles histoires qui nous tombent tous les jours. Moi, j'ai une histoire qui m'est tombée encore en début de semaine sur un arrêté préfectoral du 6 juin 44, enfin signé du 1er juin, et qui demande aux gens de faire attention le matin du 6 juin parce qu'il allait y avoir des exercices de tir. Voilà, effectivement, il y a eu des exercices de tir, mais pour de vrai. Vous avez aussi abordé avec Frédéric Letéreux le côté professionnel de la couverture médiatique d'un tel événement. Alors, c'est un Didier de plus ou pas aujourd'hui ? Alors, d'une année à l'autre, on pourrait être amené à le penser, mais pour Frédéric, ça reste quand même hors du temps. Non, la routine ne s'installe pas parce que, Dominique, pour rien vous cacher, moi j'ai des histoires, quand j'y pense, les larmes me viennent aux yeux, et peut-être encore plus qu'avant. Je ne sais pas pourquoi, non, on n'est jamais blasé avec une histoire comme la salle du débarquement qui va changer le cours du monde. Moi, je suis au plus près de l'intime et Robert Capa, éminent reporter de guerre et photographe qui a couvert Omaha, qui va mourir 10 ans plus tard en sautant sur une mine en Indochine, disait à ses collègues photographes, si ta photo elle n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez près de l'événement. Eh bien, je dirais que quand on est journaliste, c'est la même chose. Il faut être très près des gens. Et puisque l'on parle de Il y a 15 jours, j'ai rencontré John G. Morris, qui est un reporter de guerre, qui a couvert le débarquement, qui était un collègue de Robert Capa, qui a sauvé quelques-unes de ses pellicules. Ben, John G. Morris, c'est un monsieur absolument abordable et d'une grande humanité. Alors, on parlait de Frank Capa, on l'a entendu. Hein. Votre invité a aussi une dernière anecdote à nous révéler. Ouais, donc, plus qu'une anecdote, c'est une rencontre mémorielle qui touche à l'histoire du légendaire photographe. Il y a 15 jours, j'ai rencontré John G. Morris, qui est un reporter de guerre, qui a couvert le débarquement, qui était un collègue de Robert Capa, qui a sauvé quelques-unes de ses pellicules. Ben, John G. Morris, c'est un monsieur absolument abordable et d'une grande humanité. Merci Dominique, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission spéciale débarquement sur Sensation. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Nous avons le plaisir maintenant de recevoir des enseignants et des élèves également du collège Paul-Éluard, un collège de Dives-sur-Mer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Avec vous, nous allons aborder notamment le devoir de mémoire. Mais déjà, une première question à vous, l'enseignant, monsieur Poulias. Monsieur Poulias, ce n'est pas trop... Est-ce que parler d'un tel événement qui est le D-Day, la guerre, ce n'est pas trop difficile avec des enfants si jeunes? Comment on fait pour leur dire la vérité sur ce qui s'est passé avec les nazis, la collaboration, sans non plus les effrayer? C'est tout le problème, justement. On essaie de leur en parler sans les choquer, donc en voyant des textes, des images qui leur permettent de prendre conscience de ce qui s'est passé, mais sans les heurter. On peut tout évoquer avec des enfants ou il y a des sujets qu'on passe un peu sous la trappe? On peut tout évoquer. C'est la manière de les évoquer qui est importante.
La Seconde Guerre mondiale, les enfants, vous êtes Quentin et Tiffany. Quand on en parle à l'école, surtout en cours d'histoire ou en cours de français, est-ce qu'on est plus attentif à ce genre de sujet? Est-ce qu'on pose plus de questions? Quand on est en cours? Ouais, quand vous êtes en cours. Bah oui, parce que... C'est une partie du programme qui vous intéresse particulièrement? Bah moi oui, parce que je suis en troisième et donc dans tout le programme on est en plein dedans, que ce soit en histoire, en français, en musique, c'est très... Enfin, on a toute une partie qui est sur les guerres et tout ça, donc oui on pose des questions, ça nous intéresse, ça nous fait avancer en même temps au niveau de la culture et tout ça. Et toi Tiffany, la Seconde Guerre mondiale c'est un sujet qui te passionne? Bah oui j'aime bien, c'est ce qui s'est passé avant, donc j'aime bien. Les enfants comprennent aujourd'hui que nos meilleurs amis ce sont les Allemands et qu'il y a 70 ans c'était nos pires ennemis? Je pense que pour eux en fait la question ne se pose pas. Parce qu'ils sont une génération qui n'a pas connu la guerre. C'est une génération aussi dont les parents, les grands-parents n'ont pas forcément connu la guerre. Il faut remonter à la génération de leurs arrière-grands-parents. Donc ils ont un regard sur les relations avec les Allemands qui est différent du nôtre. Nous, nos parents ou nos grands-parents ont connu cette période, ont vécu cette période. Donc ils pouvaient avoir un ressenti. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui, pour certains d'entre eux, ils vont en Allemagne dans le cadre d'un échange entre Dives-sur-Mer et Oberkoren. On visite par exemple le camp de concentration de Dachau. Et voilà, pour eux, c'est une autre époque. Et eux, pour eux, l'Allemagne, ce sont des camarades chez lesquels ils vont. Des camarades qu'ils reçoivent. Et je pense que pour eux, la question ne se pose plus. Est-ce que quand on est enseignant d'une ville comme Dives-sur-Mer, donc qui était en plein cœur du débarquement et de la libération, est-ce qu'on a un devoir de mémoire plus important peut-être qu'un enseignant du Sud-Est, par exemple? On a le devoir de leur faire comprendre leur environnement. Donc c'est vrai que quand on est en Normandie, sur les côtes normandes, les élèves, ils sont amenés à croiser des monuments, à croiser des lieux qui sont liés à cette période. Et pour nous, c'est important de les aider à comprendre ce qui s'est passé. J'ai eu à enseigner dans une région un peu plus éloignée des plages du débarquement. Et c'est vrai que pour eux, pour les élèves, c'était beaucoup plus éloigné. Ici, ça me rend mon travail plus facile. Alors les enfants, au cours du mois d'avril, je crois que vous avez reçu des témoins de la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé ces rencontres? C'était intéressant? Oui, très intéressant, oui. Vous avez fait quoi? Vous avez posé des questions? Bah, pas beaucoup. On n'a pas posé pas beaucoup de questions, non. On les écoutait plus, mais c'est pas très facile de poser des questions. Comme ça, c'est plus le prof qui avait posé des questions aux témoins. Et toi Tiffany, ces rencontres ça t'a plu? Bah oui, mais en fait j'ai pas trop fait les rencontres parce que j'étais dans l'autre groupe. Donc, mais on a rencontré quand même une personne qui nous a appris des choses. Et bah voilà. Pour vous aussi les enseignants, j'imagine c'est important de rencontrer des anciens. Ça vous permet peut-être de mieux saisir des événements que vous enseignez finalement, d'avoir de nouvelles informations. Ça donne une couleur humaine, une chaleur humaine. Et c'est donc c'est très important et c'est une grande chance quand on peut croiser des personnes qui ont pu vivre cette période avec ce qui a été heureux, ce qui a été aussi malheureux, parce qu'en Basse-Normandie, quand même, pour les civils, ça a été une période ambiguë, entre bonheur d'être libéré et la douleur aussi de voir parfois leur maison, parfois des proches, être victimes de la libération. Merci à vous et merci à Quentin et Tiffany d'avoir répondu à nos questions. Merci aux enseignants et donc élèves du collège Paul-Éluard d'avoir répondu à notre invitation. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Nicolas Kirilovitz. C'est vous ça? Ouais, c'est moi. Pour ceux qui sont ici à Dives-sur-Mer, puisqu'on est en direct et aussi en vidéo sur radiosensation.fr, si vous demandez qui est l'énergumène qui est en train de parler, c'est Nicolas Kirilovitz. Il a des photos dédicacées qu'il essaye de refourguer tant bien que mal. Habituellement, c'est son papa et sa maman qui lui en prennent. Mais bref, on va revenir dans le sujet un peu, Franck. Ah, pardon. Il y a de nombreuses histoires connues et méconnues autour du débarquement et de la bataille de Normandie. Pour s'y retrouver, un ouvrage peut vous aider. Il s'agit du dictionnaire du débarquement, un ouvrage qui renferme de nombreuses anecdotes, n'est-ce pas, Franck? Oui, et ce livre, c'est un dictionnaire, on vous le disait. Il faut donc l'utiliser pour décrypter ce qu'on peut lire à côté. C'est un véritable outil d'analyse et d'enrichissement. Alors vous avez peut-être des exemples pour mieux comprendre? Alors à la lettre J, on trouve le mot
jerrycan, par exemple, qui désigne un bidon de carburant. Hein, ça, on le sait, hein, je ne vous apprendrai rien. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce sont les Allemands qui l'ont inventé dans les années 30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les unités de la Wehrmacht en possédaient et en très grand nombre. Et par exemple, on va faire un petit test, si je vous donne la lettre X. Eh bien, il y a X20 et X23. Une petite idée de quoi il s'agit ? Bah non, j'ai pas de culture générale, moi. Je sais pas ce que c'est. Ça ne m'étonne pas. Eh bien, ce sont des sous-marins miniatures utilisés par la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale pour des missions spéciales de sabotage, notamment contre des navires de guerre allemands. Cinq auteurs ont participé à l'écriture de ce dictionnaire du débarquement sous la direction de Claude Quettel, ancien directeur scientifique du mémorial de Caen. Parmi eux, Yann Magdelaine, directeur d'école à Condé-sur-Noireau. Moi, la partie qui m'était allouée concernait toutes les rubriques, toutes les notices concernant les villages. Donc, comment le village avait été libéré, dans le cadre de quelle bataille, par quelle unité, à quelle date. Donc voilà, il y a à peu près 400 notices de mémoire, qui sont 400 notices de villes et de villages de Normandie. Alors surtout Basse-Normandie, puisque le dictionnaire traite surtout des opérations jusque au passage de la Seine. Donc il y a quelques villes et villages de l'Eure et de la Seine-Maritime, hein, mais c'est surtout Basse-Normandie, donc Manche, Orne et Calvados. Voilà. Et donc pour accompagner ces notices de libération du village, eh bien, j'ai élaboré aussi les cartes de l'ouvrage. Et Yann Magdelaine nous en dit plus à présent sur les circonstances de la libération de certains villages et de certaines villes. Tout ne s'est pas fait en un jour, loin de là. Ce qui est assez, assez paradoxal dans la bataille de Normandie, c'est que vous avez des communes de Normandie comme Dozulé, Deauville, etc., qui sont très très proches du front et qui sont très très proches des zones de débarquement, comme Troarn aussi, je pense, voilà, qui sont très proches du secteur de débarquement dès le 6 juin, et qui sont des villes qui ont été libérées quasiment à la même date que Paris, c'est-à-dire Paris c'est 25 août, Dozulé c'est le 20 ou 21 août, donc il y a des villes comme ça en Normandie qui étaient très proches des zones de débarquement et qui n'ont été libérées que deux mois et demi après. Quoi. Hein, c'est vrai. Bah, c'est tout simplement parce que le front dans ce secteur, tout le secteur à l'est de la Dive et de l'Orne, n'a été est resté quasiment passif. Il n'y a eu que quelques combats d'escarmouches, hein, et donc c'est resté assez passif pendant deux mois et demi. Et les combats n'ont repris. En plus, c'est une zone qui est très marécageuse. Hein. Elle l'est moins maintenant, mais ça arrive encore qu'il y ait, quand il pleut beaucoup dans notre secteur, qu'il y ait des inondations. Et donc, c'était une zone qui était difficile à conquérir et qui n'a été prise que lorsque, finalement, la bataille était gagnée et que les Américains étaient déjà sur la scène. Les Allemands n'avaient plus d'autres alternatives que de se replier. Quoi. Voilà. Le dictionnaire du débarquement de Yann Magdelaine, c'est aux éditions Ouest France. Merci Franck. Ah, Franck, il est parti. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants.